j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo sol. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour des sols. Et je pense que comme moi, vous n'étiez pas au rendez-vous en mode au taquet cette année. Je sais pas, les soldes, je trouve que ça fait boum. Hein, personne n'était hyper motivé, personne n'était hyper... Donc bref, aujourd'hui, je vais vous montrer mes derniers achats. Donc là, Sephora, aujourd'hui même, Nocibé. Je vais vous montrer aussi les Sephora Gold, puisque j'ai pas acheté des trucs de ouf. Donc je vais vous les montrer, mais ils ne sont pas soldés. De toute façon, je vous mettrai à chaque fois les prix, ou je vous les dirai de toute façon les prix. Et j'ai fait quelques petites soldes avant les soldes sur Beautybay. Donc je vais vous montrer aussi tous mes achats. Et en fin de vidéo, je vous montrerai les petits achats que j'ai fait pour mes enfants à Auchan, parce qu'il y a quand même des super soldes, encore une fois, là-bas. J'ai pas été hyper conquise par les soldes cette année. Je suis allée chez Sephora, j'ai pas... Même la marque Sephora, vous savez, il y a toujours plein de stands avec plein de trucs Sephora, de la marque Sephora Collection. Là, il n'y avait pas grand chose. Honnêtement, j'ai un panier sur le site Sephora, là, à l'heure actuelle où je vous parle, qui n'est toujours pas validé. Je ne sais pas si je le validerai ou si j'attendrai peut-être la deuxième démarche, parce qu'il n'y a pas des soldes de dingue. Un peu déçu, en tout cas, dans le Sephora où je suis allée. Alors, j'en ai pas fait 50, j'en ai fait qu'un. Un peu déçu, encore une fois, j'ai pas eu d'échantillons de dingue et tout, comme d'hab, de toute façon, hein, j'ai envie de dire. Mais en même temps, j'ai pas dépensé beaucoup. Je commence donc par Sephora les soldes. J'ai craqué pour ce petit coffret là. C'est mon fils qui était avec moi qui m'a dit oh c'est mignon, donc j'avoue que j'avais hésité sur le coup. Puis je me suis dit bon allez, un petit coffret à 4,99€ au lieu de 9,99€. Je sais pas si je l'utiliserai, même si c'est des odeurs que j'aime beaucoup, mon oeil et fleurs de coton, ou si je le garde dans ma boîte à cadeaux. Comme ça j'ai toujours un petit des petits cadeaux en stock, moi j'aime bien faire ça. J'ai pris des petits masques. Ça, à moins 70% ça passait hein. Ceux-là, ils étaient à moins 70%, je crois que c'était 1,40€. Et celui-ci, 1,49€, celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc pareil, je l'ai pris. Voilà, des petits masques, hein. Ça c'est pour l'été, c'est en mode pastèque et tout, après solaire. Et celui-ci, c'est un peu quand vous voulez, en mode réconfortant. J'aime bien celui-là. Celui-là, je l'ai déjà, je l'aime bien. Vous voyez pas de folie, hein. J'ai pris pour ma fille des petits Invisible Bubble, comme ça, c'est des chouchous qui sont... soi-disant plutôt bien pour éviter de casser le cheveu. Moi j'en ai en satin pour mes cheveux bouclés et ceux-là j'ai jamais testé. À l'intérieur c'est en spirale en fait, je sais pas si vous verrez, et à l'extérieur ça reste des élastiques hein. Donc ah ouais, oui c'est les fameux élastiques en spirale, sauf que là comme ils sont en petits chouchous c'est plus joli. Je les trouvais bien les motifs là pour ma fille, ça sera très bien pour faire des petits chignons sympas. C'est très bien, c'était à moins 50% 4,95 au lieu de 9,90. Et l'avant-dernier produit que j'ai pris à moins 70%, c'est un Lanolips à la menthe. Moi j'aime beaucoup les Lanolips, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté, je sais qu'ils sont souvent soldés. Mais là à la menthe je me suis dit pourquoi pas, donc ça se présente comme ceci. J'aime bien moi tout ce qui est un peu mentholé tout ça, donc j'aime bien Lanolips, ouais j'ai réussi. Donc voilà, j'en ai pris un, c'était le seul et le dernier. Et à moins 30% j'ai pris la fameuse poudre, alors je crois que c'est celle-ci. J'espère que je ne me suis pas gourée, dites-moi. Mais je sais que celle-ci, je pense, si je me trompe pas, qu'elle est assez bien réputée. C'est la Beauty Amplifier, je ne sais pas comment ça se dit avec mon vieil accent. Poudre lissante éclat, qui donne du coup de l'éclat et qui lisserait le teint. J'ai bien envie de la tester et qui matifie. Donc là, pour les beaux jours, ça va être pas mal. Elle était à 11€ au lieu de 18, enfin c'était moins 30%. C'était pas une réduction de dingue, c'est le seul truc que j'ai pris à moins 30%. En échantillon, elle a donné des petits parfums hommes pour mon fils Le Beau de Jean-Paul Gaultier. Et moi, qui dépense mon argent, elle m'a donné un échantillon de crème clinique. Voilà, no comment, tout pour lui, cadeau. De toute façon, voilà, comme d'hab. On va rester chez Sephora. Je vais vous montrer mes petits cadeaux gold. Enfin, mes cadeaux gold, oui, et mes achats gold. Pas grand-chose. Un petit colis, mais pas grand-chose dedans. Déjà, moi, je me suis pris, donc avec moins 25%, donc ça, c'est pas en solde. C'est le spray, le nouveau spray comme ça, pas matifiant. Sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité, extrait de ginseng de chez Sephora. Il paraît qu'il est bien, donc j'avais envie de le tester. Moins 25%, je me suis pris un crayon burgundy, un petit peu de chez Natasha Denona, qui est la teinte, bah, burgundy, qui est un parme comme ça. Moi, j'aime beaucoup mettre ça dans ma muqueuse quand je fais un make-up un peu rosé. Et j'en avais un de Charlotte Tilbury, mais là, il est vraiment sur la fin de la fin de la fin. Donc, j'avais envie de tester ceux de Natasha Denona. Il paraît qu'ils sont très crémeux. Et s'il me plaît, j'achèterai en noir après, je pense, pour avoir un basique. Je me suis repris un petit bain dissolvant comme ça de chez Sephora parce que en ce moment, je me remets à faire des petites manicures... bah en mode pas semi-permanent et je n'avais plus de bain dissolvant donc j'en ai pris un moins 25% et d'accord.
C'est tout pour Sephora. Oui, oui, Sephora Gold, j'étais raisonnable. J'ai eu un petit cadeau Gold, j'ai eu un petit rouge à lèvres Wubi Woo de MAC, donc ça c'est très sympa. Je l'ai déjà en grand format, donc ça je verrai ce que j'en fais. Un petit crayon marron, ça c'est plutôt cool, de chez Sephora, en teinte 05 Shiny Taupe, donc un petit marron taupe comme ça. Et une miniature de shampoing booster de longueur de chez Kérastase. Donc bon, les cadeaux sont pas mal. Je vais pas me plaindre, les cadeaux Gold sont pas mal cette année. Voilà, voilà pour mes achats Sephora Gold et Sephora Sold. Je vais vous mettre quand même quelques petites photos pour vous montrer un petit peu les petites choses que j'ai vues en magasin, mais j'ai pas craqué dessus. Il y avait le coffret pour la fête des mères Tarte avec 4 palettes. Il y avait les collections de Noël de chez Too Faced à -50%. Il y avait des coffrets aussi Huda Beauty des fêtes des mères, tout ça. Il y avait pas mal de petits coffrets, mais c'était souvent du -30%. Quelques petites choses à -50%, mais il y avait pas les trucs de dingue à -50%. Vraiment, il y avait quasi rien. Donc sinon beaucoup de coffrets à -30%, mais j'ai trouvé ça pas forcément hyper intéressant. Des parfums à -50% et à -30%, mais moi j'ai pas craqué, j'ai été raisonnable je trouve. Et chez Nocibé, hein, je vais vous montrer mes achats Nocibé et mes achats aussi Yves Rocher, parce que finalement je suis passée vite fait chez Yves Rocher. Chez Kiko je n'ai rien acheté, j'ai résisté, rien ne me fait envie en ce moment chez Kiko, je ne sais pas pourquoi. Et chez Nocibé aussi, il y avait pas mal de beaux coffrets. Il y avait d'ailleurs un petit coffret de miniature Kylie Skin en niveau soin qui était à -40%, donc c'était pas mal. Et chez Nocibé, moi je me suis pris ce petit coffret là qui est à 13,50€ au lieu de 22,50€, donc -40%. Pareil pour des idées cadeaux, fêtes des mères, c'est passé, hein, mais pour vos mamans ou pour les maîtresses, ou voilà, il y a plein. Là chez Nocibé, il y avait énormément de petits coffrets très sympas, pas chers, pour faire des petits cadeaux vraiment cool. Donc là, je me suis pris ce coffret là, et à l'intérieur, vous avez 4 produits dans la gamme un peu à l'orange comme ça. Moi j'aime bien cette gamme, je suis pas fan de l'odeur de l'orange, mais là, il passe bien. C'est le Ritual of Mare. Et à l'intérieur, on a un gel en mousse, là, vous savez, les fameux gels mousse, un shampoing, une crème pour le corps et un parfum d'intérieur. Donc je trouve ça assez sympa. Et c'est une odeur un petit peu orangée, mais ça reste une odeur un peu booster. Pas forcément, ça sent pas l'orange comme ça, hein. De toute façon, les odeurs rituelles, elles sont vraiment top. Donc celui-là, c'était mon petit cadeau. Oui, oui, oui. 13€ quand même, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc pareil, j'ai dû avoir un mini échantillon de parfum. Hein. De toute façon, les soldes, il n'y a pas de cadeau spécialement. Mais en tout cas, il y avait des belles choses à Nocibé. Je trouvais que les soldes étaient quasi mieux que Sephora. Vous me direz si vous avez fait un petit tour pendant les soldes, ce que vous avez pris. Hein. Dites-moi tout dans les commentaires. Hein. Racontez-moi tout, vos achats sur le desk. Est-ce que vous avez craqué ou pas? Est-ce que vous avez été raisonnable? Et surtout, si vous aimez bien cette vidéo soldes là, on like, on s'abonne, hein, surtout si c'est pas encore fait. Et puis chez Yves Rocher, je me suis pris un petit parfum qui était à -70%. J'ai eu la petite trousse en cadeau. Il y avait le sac aussi sur dépasser 30€ d'achat, mais moi, c'est pas mon cas. Donc j'ai pris le petit parfum cuir de nuit qui était à -70%. Il y avait la grande version et la petite version. C'est à base de vanille cuirée, ils appellent ça, cuirée, ouais. Et de cacao et de café. Bah écoutez, j'ai bien aimé. J'ai senti en magasin, je trouve ça cool, je crois que c'était... C'était chaud, c'était bien une odeur d'été, de soirée. Donc je l'ai prise. Enfin, je l'ai pris plutôt pour un parfum. J'ai pris un petit gommage comme ça à 80 centimes qui était pareil à -70%. Un petit gommage au karité pour le corps. J'ai eu gratuitement le fameux baume botanique pour les cheveux là sans rinçage. Et moi j'y allais surtout pour me reprendre ça. J'ai kiffé là. La crème pour les mains, là je suis en train de l'utiliser en ce moment, la crème main au monoïde de Tahiti de chez Yves Rocher, j'ai adoré. Du coup, je me la suis repris et celui-ci aussi, je l'ai repris aussi, donc c'est le fameux gel nettoyant pour les mains au monoïde. Donc je me suis repris le petit duo parce que j'ai adoré ce petit duo là. Et la crème pour les mains, elle me fait tellement penser à l'été, aux vacances, à tout ça, donc j'adore l'utiliser en ce moment. La crème pour les mains et le petit gel, ils sont toujours à -50%, de toute façon il y a toujours des promos chez Yves Rocher, donc faites-vous plaisir, hein. Et puis chez Beauty Bay, j'ai craqué avant les soldes pour des palettes qui me plaisaient énormément. Elles étaient à -30%, mais j'ai pu cumuler avec un code de -20% sur mon panier et j'ai eu des produits gratuits. Donc là, chez Beauty Bay, ça m'a... je me suis fait plaisir en fait parce que ça valait trop le coup. Déjà, je me suis pris une palette qui est mythique dans le monde de la beauté. Moi, j'ai quasi toutes les Anastasia Beverly Hills, comme ça, c'est un peu ma petite collection aussi. Je les aime beaucoup. Elles sont très poudreuses, hein, les palettes Anastasia, mais elles sont pigmentées de dingue. Et celle-ci, c'était la seule que je n'avais pas, que j'avais mis dans ma wishlist depuis au moins 3 ans. Et j'ai craqué parce qu'elle était de nouveau en stock chez Beauty Bay. Et en plus de ça, elle était à -30%, donc elle m'est revenue vraiment moins chère. Je vous la montre. Elle est d'un packaging en velours, comme ça, un peu
bleu, vert nuit, très très beau. Et alors les couleurs intérieures me plaisent énormément, c'est plus des couleurs automnales. Il y a l'air d'avoir un duochrome ici qui est magnifique. Il y a un petit peu jaune cannelle comme ça, j'aime beaucoup. Du vert, enfin voilà. Ça, ça va être ma palette pour l'automne. Je ne sais pas si je vais l'utiliser dès maintenant, mais je la trouve trop trop belle. Elle est magnifique, je suis trop contente de l'avoir eue. Parce qu'elle est quasi en rupture de stock partout, même chez Sephora d'ailleurs. Et en plus, je l'ai eu en promo. Je me suis pris aussi la palette comme ça, Wide Green de chez Urban Decay. Ils ont une nouvelle palette qu'ils ont sortie sur le site Beauty Bay, qui est totalement vegan à base d'avocat, d'huile d'avocat, tiens. Elle se présente comme ça. Et encore une fois, il y a des couleurs trop trop sympas à l'intérieur. Il n'y a pas de miroir, mais ça, je m'en fiche, moi. Et regardez, du vert, du marronné, des petites couleurs un peu pêche là. Moi, j'adore. J'ai hâte de voir la pigmentation, donc ça, je vous en parlerai prochainement. Mais les couleurs, honnêtement, en vrai, elles sont divines. J'aime bien en plus le mélange entre les mats et les irisés. Là, je trouve que c'est très sympa. Et puis, j'aime bien le packaging, je sais pas, original et tout. Je trouvais trop sympa. Avec ça, j'ai eu en cadeau gratuitement un mascara, le Perversion, comme ça, de Urban Decay. C'était avec la palette. Donc ça, je vais vous le garder de côté pour vous, mettre dans un concours. D'ailleurs, restez jusqu'au bout de cette vidéo, puisque je vous donnerai un code, un mot bonus qui vous permettra de gagner ce que je vais vous montrer. Oui, oui, oui. Parce que Beauty Bay m'a envoyé donc gratuitement dans ce colis en tant que cliente lambda. Je ne suis pas du tout en partenariat là sur ce colis. C'est moi qui ai payé. Eh bien, je vous ai dit, j'ai cumulé promotion moins 20% plus un code de moins 20 sur mon panier plus une palette gratis. Oui, gratuite dans mon colis. Elle était envoyée gratuitement. Alors moi, j'ai déjà eu cette palette-là de Nikki Tutorial. C'est une influenceuse américaine ou britannique. Tiens, je sais pas, je crois que c'est américaine. Donc elle a fait une collab avec Beauty Bay. Elle a fait une palette que j'avais déjà achetée mais que j'ai revendue parce qu'elle ne me plaisait pas vraiment, vraiment. Donc là, je l'ai re-reçue gratuitement dans mon colis. Mais bien sûr, hein, c'est pour vous. Donc je vous la montre quand même et je la garde pour vous. Elle est constituée en deux parties. Alors hop, on va faire tomber le petit papier. Voilà. Les fards sont juste énormes et vous avez un côté un peu plus clair et un côté un peu plus dark, on va dire ça comme ça. D'où le packaging en deux côtés. C'est vrai que les lumineux, ils ont l'air divins. Moi, je les ai déjà utilisés dans celles que j'avais à moi. Mais je sais pas, j'arrivais pas à m'en servir dans mon quotidien, du coup je m'en suis débarrassée. Mais je la trouve très jolie, hein. Vu que je l'avais achetée, c'était une palette que je trouvais très sympa, qui me venait en vie. Mais j'ai pas été conquise, donc celle-ci je vous la propose dans ce concours, dans cette vidéo, en surprise. Pour celle qui reste jusqu'au bout, qui reste, voilà. Et le mot bonus, qu'est-ce que ça va être? Je vais réfléchir pendant la vidéo, comme ça vous allez tenir jusqu'au bout. Et je vous le dis juste après, mais en tout cas, je vous fais gagner cette magnifique palette, si ça vous dit, avec ce petit mascara, histoire de faire un petit look là. Et sinon, je me suis pris chez Beauty Bay en dernier produit un fond de teint, pareil en promotion. Et du coup, j'ai pris la couleur Light 2, c'est le Nabla Skin Realist. Ma copine Ella, qui a un peu le même type de peau que moi, a dit qu'il était vraiment bien. Ah, je suis choquée, je le voyais en vert et tout, mais en fait, c'est un packaging en plastique. Il m'a l'air foncé en fait. Mais en même temps j'ai bronzé, donc je pense que ça ira, ça matchera bien, mais il faut que j'utilise dès maintenant je pense. Et il est très beau, le packaging est très 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 beau, mais il est en plastique. Hein. Et c'est un packaging, vous savez, air pulsé, non pas air pulsé, comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Enfin bref, à base d'air là, et ça remonte, et du coup vous ne perdez pas de produit je pense. Ça a l'air trop bien, Skin Realist. Donc elle a dit, et là qu'il était génial, donc bah, je le testerai prochainement. Si vous voulez des make-up d'ailleurs avec certains des produits que j'ai achetés, bah, vous me direz. Hein. Pour mes autres achats, parce que j'ai fait pas mal d'achats chez Normal, j'ai reçu des colis aussi, je vous ferai une vidéo unboxing un petit peu après. Là, je vais continuer avec mes soldes et cette fois-ci, je vais donc vous montrer mes achats soldes chez Auchan pour mes enfants. Je vais essayer d'aller vite pour celles que ça intéresse pas. Et pour le mot bonus, qu'est-ce qu'on va mettre alors? Pour ceux qui veulent gagner ce petit lot, et puis bien sûr, je rajouterai des petites choses parce que j'ai pas mal de choses de côté pour vous. On va mettre le mot... A few moments later. Le mot super. Hein, vous êtes là? Le mot super. Donc j'ai pris ce petit ensemble là pour ma fille, un petit pyjama, moins 50%, tout était à moins 50% chez Auchan, chaussures, vêtements pour les enfants, et évidemment les nouvelles collections n'étaient pas à moins 50%, mais tout ce qui était avec une étiquette un peu rose comme ça, c'était moins 50. Donc là, ça m'est revenu ce petit haut, à ce petit ensemble à 3€, même pas. Donc il y a le petit t-shirt avec le short pour pyjama d'été, et je lui ai pris en petite tenue aussi sympa dans le même style, le t-shirt comme ceci avec un short. Mais alors le short, je vais vous montrer, il est trop beau je trouve. Regardez, il est en forme jupe short, vous savez, un peu croisé comme ça, donc c'est un short, et là ça fait un peu effet jupe, je trouve trop 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 beau.
Et il m'est revenu à autour de 6,50€ ce petit ensemble, moins 50%. Pour ma fille, je lui ai pris aussi une petite paire de baskets pour la rentrée, hein, ça va pas du tout être pour tout de suite, en taille 34, à moins 50%, elles me sont revenues à 6,50€ aussi. Elles sont très bien, hein. C'est des basiques hein, chez Auchan, noires. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que là, c'est pas des lacets, c'est déjà des lacets élastiques comme j'avais acheté à Action. Et là, c'est parfaitement taillé pour les enfants, donc c'est parfait. La petite touche dorée derrière, non, je les trouve très bien, simple, efficace. Bon, pareil, pour la rentrée, je lui ai pris une petite paire de ballerines. D'ailleurs, j'ai pris en 33, j'aurais peut-être dû prendre en 34. Pour mettre avec des petits collants, et elles me sont revenues à même pas 2€, quoi. Alors, pour mon fils, on a pris plein de choses. Je lui ai pris un pyjama qui m'est revenu à 5€. Un ensemble avec un t-shirt comme ça, jaune, avec un petit panda. Et le petit short bleu, toujours avec des petits pandas dessus. Donc, très sympa, ça vaut le coup 5€, quoi. Je lui en ai pris un deuxième dans ce style-là, avec un petit dinosaure, le short. C'est bien pour l'été, ça va être parfait. Toujours, alors moi j'ai pris du 7-8 ans pour mon fils. Et j'ai pris pour mon petit dernier aussi le même, en mode jumeau de pyjama. Et pareil, ils me sont revenus à 5€ les petits pyjamas. Il y a aussi le petit short là. Hop, il est là, le petit short de nuit, très bien. Alors mon fils a des goûts, je vous jure. Voilà, lui il voulait du orange flashy là. Donc il s'est pris ce petit short orange flashy à 3€. Et pour aller avec, je lui ai pris ce petit ensemble de petits t-shirts. Ceux-là sont pas soldés, ils sont à 5€. Mais je me suis dit que ça allait très bien avec le short orange hein, et celui-ci ça ira avec un autre short hein. Mais voilà, pour avoir des trucs un peu d'été, pour partir en vacances. Pour l'année prochaine, je lui ai pris ce petit pull là. Et j'ai trouvé trop beau en 8 ans. Il m'est revenu à combien 4€ le pull. Mais alors le 7 ans dans les magasins au champ, c'était complètement dévalisé hein. Donc j'ai pris du 8 ans. Alors j'ai trouvé quelques trucs en 7 ans, mais sinon j'ai pris en 8 ans, comme ça sera pour la rentrée prochaine. Ça va pas être pour tout de suite, mais il n'y a pas de problème. Et voilà, quand je vous dis que mon fils a des goûts flashy, il s'est pris ça en 8 ans et c'est revenu à 5€. Ce petit t-shirt là, il aime tout ce qui est orange flashy là, il adore. En 8 ans toujours, il s'est pris ça, donc ça c'est plutôt sympa, j'aime bien. Et c'était 2€ quoi, le petit haut manche longue là, très sympa, 2€. Pour l'année prochaine, un petit jogging, pareil, pas cher, en taille 8 ans. Il m'est revenu à 4€. Il y a juste des écritures ici, sinon c'est tout noir partout. Et ça va être pour plus tard parce que ça c'est un peu grand encore. Je lui ai pris pas mal de pantalons, vous allez voir, beaucoup de pantalons. En 7 ans et en 8 ans, donc celui-ci en 7 ans, c'est un basique, un bleu comme ça. Ils se resserrent pas à la taille ceux-là, mais ils ont quand même ça pour serrer au niveau de la taille des petites... Vous savez, il n'y a pas les petits trucs à l'intérieur qui permettent de régler vraiment bien la taille, mais il n'y a que les ficelles ici. Donc c'est dommage, mais pas trop le choix, il n'y a pas grand-chose. Et 2€, 3€ le pantalon au lieu de 6. Je l'ai pris, j'ai pris le même en version grise. Donc pareil, 3€. J'ai pris version jean, donc ça, ceux-là, ils se règlent au niveau de la taille, donc ça c'est top 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 là, vous avez des petits boutons là pour régler à ce niveau-là. Donc ça, oula, très sympa, et il valait pareil, 4€. Et je lui ai pris un jean en version 8 ans, ça va être pour l'année prochaine, c'est hyper grand pour lui encore. Il se règle au niveau de la taille aussi, mais pareil, 4€ j'ai pris maintenant, comme ça je serai tranquille en septembre. Je vous ai pas montré, j'ai pris un petit legging très paillettes pour ma fille à 2€ je pense. Même pas 1,05€, ouais 2€ on va dire, hein, 1,75€, avec des petites licornes en 10 ans, plus pour en mode pyjama, elle mettra peut-être pas ça à l'école, moi je mets pas trop ce truc là à l'école, mais en mode pyjama ça va lui faire plaisir. Et dans les dernières choses soldées pour mon fils toujours, il avait plus du tout de chaussures, j'ai pas trouvé des trucs de fou, mais on a choisi donc des petites baskets comme ça, qu'il a trouvé très sympa, je crois qu'elles étaient à 6€ non ? Le prix s'est enfui, mais ouais, je crois que c'était même pas à 5€, je crois, ces petites baskets-là. Et ces petites chaussures-là aussi à 5-6€. Ouais, c'est ça, 5€. Donc, je vous mens pas. Et bon, là, ça va faire l'été, hein, et après, voilà. À cet âge-là, je sais pas vous, mais 7 ans, 8 ans, là, et ils usent tout, ils abîment tout jusqu'à la moelle, là. Et voilà pour mes petits achats soldés. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour vous. Alors moi j'ai pris un pantalon chez Grain de Malice, mais je l'ai pris avant les soldes dans les ventes privées. Et je suis pas allée faire beaucoup de magasins. Donc si je retourne faire des magasins, je vous ferai une deuxième vidéo solde. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous avez trouvé des petites choses qui vous ont intéressé ou pas du tout. Si vous allez résister, mais je pense que cette année j'ai pas dépensé des 1000 et des 100. Que ce soit pour moi, j'ai plus craqué pour mes enfants parce que c'était une nécessité. En tout cas... Je vous retrouve dans les commentaires comme d'habitude. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de me raconter vos petites soldes ou pas. Et puis, on se dit à très très vite. N'oubliez pas, on met le petit mot bonus.
Super, j'avais déjà oublié. Super, dans les commentaires pour pouvoir participer à ce concours caché. Et on n'hésite pas à le mettre plusieurs fois de suite, tous les jours si besoin. Revenir mettre un petit like et revenir mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et comme ça, plus vous aurez de commentaires, plus vous pourrez gagner ce beau petit lot. Évidemment, je vous contacterai très très vite. Et je vous contacterai aussi sur Instagram si vous me laissez votre pseudo Instagram. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Allez, salut!